Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode dédié à Factorio C-Block. On va reprendre, on s'était arrêté la dernière fois. Et donc là maintenant c'est bon, les circuits roux ils ont pas mal tourné. Et je dis ça au moment où ça s'arrête. Maintenant on a à nouveau des problèmes de soudure. C'est dommage parce que là les circuits rouges ils tournaient à fond pendant, ils ont tenu un bon bout de temps. Et on pensait même upgrade carrément la production ici avec le chat tellement ça tournait bien. Mais là, hein, clairement la soudure nous a lâché. Comment ça se fait-il? C'est le plomb qui galère. Ok. Comment ça se fait-il que le plomb galère? Parce que c'est pas juste qu'on n'aurait pas assez de production, tout simplement. Bon, alors déjà, les bras n'aident pas visiblement. Donc on va déjà booster ça. Hop, voilà. Toujours pas suffisant. Bon, juste, on va en mettre un deuxième là-haut, comme ça, ce sera fait. Et à la limite, s'il y a que ça, on peut aussi doubler un peu la production de lingots, tout simplement. Hop, parce que ça mange pas de pain. Tac. Donc ça fait qu'il nous faut un blast. Pour aller avec. Après, on aura carrément pas assez de production de minerais pour ça, je pense, mais bon. Oh non, là, clairement pas, on n'arrive pas à passer le premier. Donc déjà, petit problème de ce niveau-là. Oh, mais même la prod là, elle est dégueulasse. Ah, mais il n'y a qu'une machine pour le plomb, d'accord. Et bah, c'est peut-être ça le problème. Voilà, il nous faut une trieuse. Assez d'acier après. Hop, on va profiter pour aller chercher vite fait. Voilà. Donc déjà ça devrait permettre d'envoyer un peu plus. De plomb. Hop. Il y a des morceaux qui vont pas. Tac. Bien, déjà si là on arrive à avoir un convoyeur plein. Pas tout à fait plein, mais presque. Et que là, on booste du coup un peu la partie, la quantité qui peut transiter. Ça devrait améliorer un peu les choses. Tac. Voilà. Comme ça, là, on aura peut-être fait tourner une machine. Voilà, très bien. Est-ce qu'on n'aurait pas besoin du coup de booster un peu cette partie-là? Parce que là, ces deux machines-là, ils ont besoin de combien? Si, c'est 6, donc ouais, clairement, ça mériterait d'avoir du jaune, tout ça. Donc ça, c'est bon. Pareil, on va vouloir plutôt du jaune. Tac. Et tac. Et ça s'est complètement arrêté. Très bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est la production de Continuum qui a l'air d'être un peu en galère. On va voir si on peut pas booster un petit peu ça peut-être parce que là non, on n'arrive pas à saturation nulle part. Donc ça a l'air d'être bon. Mais du coup, si on peut refaire quelques cristalliseurs, on va aller en renvoyer un peu du Continuum comme ça. Ça permettra de tabasser nettement plus. J'ai cassé ma forme. C'est pas grave. Et on va pouvoir se permettre
Ouf, peut-être tout pile suffisamment de cuivre sur moi pour pas faire un aller-retour. Ok, voilà, donc ça tourne. Maintenant, on va peut-être avoir besoin de booster un petit peu ce qui va jusque là. Tac, voilà. Il manque ce truc-là à pouvoir améliorer aussi. Voilà, donc là déjà le continuum, ça devrait envoyer un peu plus. On va voir si c'est suffisant pour ne pas bloquer tout. Normalement, là, tout ça là, de toute façon, il n'y en a pas qui a rajouté, donc ça se passe bien. C'est arrivé par ici que ça va commencer peut-être à déborder un petit peu maintenant avec tout ça. On va voir à quel point ça va pouvoir tourner. Pendant ce temps-là, on a quand même une production de circuits rouges qui est totalement saturée. Et ce sont les circuits bleus, donc vraiment le facteur limitant. Donc il faudra peut-être qu'on aille améliorer ça. Parce que là, c'est ce truc-là qui a l'air de galérer un petit peu en termes de production. Donc il faudra qu'on aille booster un petit peu. Voilà. La suite de la prod arrive. Donc là, on va peut-être pouvoir commencer à avoir des blocages et des saturations. Ça a l'air d'aller, mais dans le loot, j'ai quand même commencé ici. Hop. Voilà. Ça aussi, tout ça en jaune, voilà parfait. Là ça devrait déjà nous permettre de désengorger un petit peu tout ça et d'augmenter encore plus les quantités. Parce que là maintenant on a un côté qui bloque, ça n'a pas trop l'air, pas là en tout cas. Là par contre on va commencer à arriver à un truc complètement saturé. Donc on va pouvoir passer sur du rouge après. Hop, tout ça déjà. On perd pas de temps. Hop. Voilà, donc là le continuum normalement il devrait commencer à tabasser un petit peu. Hop, forcément faut finir sinon ça va pas bien se passer. Ok, donc là. Alors, pour l'instant il n'y a pas grand chose qui consomme, donc on va aussi aller au suivant. Tac. Et là on va aller du jaune tout du long quand même. Histoire de dire. Là, normalement, on est très bien. On devrait largement pouvoir produire tout le... tout ce dont on a besoin à ce niveau-là. Parfait. Donc, ici, on a dit que les circuits rouges, c'était la fête. Ils étaient pleins à craquer, c'est parfait. Côté Roboport, est-ce qu'on consomme toujours tous les circuits bleus ou est-ce qu'on a réussi à faire un stock? Non, toujours pas. Ok, bon, on va essayer de booster un petit peu la prod par ici alors, parce que donc ça c'est bloqué à cause de transistors. Transistors qui viennent de... par là. Ok, donc ouais, en fait c'est la prod de transistors qui est à nouveau décédée. Maintenant c'est le plastique qui ne suit plus. Bon bah, fidèle à l'adage, il y a toujours un truc qui ne va pas. Maintenant, c'est le plastique. Alors, le plastique, qu'est-ce qui lui arrive? Le plastique, il vient de plusieurs... Enfin, il vient d'un endroit, mais après, c'est alimenté par du plastique liquide. Et ça, il y a plusieurs façons d'en faire. On en fait là, déjà. Ici, on n'a juste pas beaucoup de propane, donc... Propane, pardon. Donc ça, bon, ça suit son cours, très bien. Maintenant la question c'est d'où vient le reste du plastique liquide? C'est ça qui s'est arrêté. Donc ça va là, ça va là.
Ok, plastique liquide, ça va par là. On est d'accord. Ok, donc déjà il y en a un peu là. Qui ne tourne pas à cause de la cellulose acétate, qui ne tourne pas à cause de la mixture de cellulose acétate, qui ne tourne pas à cause des fibres. Ok, bon bah déjà oui, on pourrait commencer par ramener plus de fibres, histoire que ça tourne mieux. Parce que là c'est cohérent. Et ici, on a encore la production de plastique à un moment, faut croire, vu qu'on tire un tuyau. Tac 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 tac. Voilà, c'est là. Et là, c'est du bioplastique qui juste n'est pas assez alimenté. Ok, donc là je pourrais tout simplement augmenter un peu ces trucs-là pour essayer d'en produire un peu plus. Parce que déjà c'est au ratio là. Hop, ça peut produire, ça consomme 0,067. Ça produit 1,3. Donc déjà oui, je pourrais me faire deux arboretums en plus là. Et dupliquer un petit peu tout ça. J'ai pu avoir de cuivre, j'ai oublié d'en reprendre, bien entendu. Fallait aller à l'autre bout de la base pour se rappeler qu'on avait oublié de récupérer un truc. Et après, on va voir si on peut pas aussi booster un peu la prod de cellulose. Comme ça, ces deux-là combinés, ça devrait en renvoyer un peu plus de plastique. Alors, prendre un peu de cuivre classique, plus des tuyaux. Ah, ça c'est jamais perdu. Si jamais besoin, je peux refaire encore plus d'arboretum. Hein, normalement, j'ai de la marge. Ouais, ça va. C'est pas le problème du tout. Il faudrait juste changer un peu les poteaux électriques. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Hein. Voilà. Ok. Du coup, est-ce qu'on pourrait pas simplifier un peu le système en faisant juste ça qui va bloquer si on fait ça. Hop. Voilà. Donc déjà, on va faire un petit peu plus de bioplastique ici, mais bon, je pense que ça va pas changer la face du monde. Allez, soyons fous, on va en remettre encore deux. Et après, on va s'arrêter là parce que flemme. Et bon, mais là du coup, il va peut-être me falloir une production de graines parce que là j'ai peut-être dépassé un peu les marges. On est à quoi là? On est à 0,2. Et ça, on est d'accord que ça fait pas 0,2. Ça fait 0, donc il va m'en falloir un deuxième. Or, un Swamp Tree Seed Generator, comment ça peut se faire? Est-ce que j'ai des Swamp Tree dans les environs? Ça a pas trop. Pas trop l'impression. Que j'en ai en stock, et sinon, comment on les fabrique? Et puis il faut juste des. J'aurais dû prendre quelques graines avant de me barrer. J'en ai un. Bon, on va dire que c'est suffisant pour l'instant. Pas s'amuser à tous ces produits en masse. Mais les prochains, faudra que je fasse pousser avec des graines. Ça veut dire, si j'en trouve pas d'autres d'ici là. Donc ça c'est bon. On va donc juste dupliquer ce truc là. Comme ceci, voilà. Bim. Hop. Là normalement on devrait avoir un petit peu plus de production de plastique. Par contre, on voudrait aussi augmenter l'autre qui a besoin de cellulose du coup. Et celui-là, ça se passe comment? Hop, donc on est d'accord que c'est là, il manque des fibres de cellulose. Et les fibres de cellulose, elles viennent de là, normalement. Le peu qu'il y a est intercepté pour faire du méthanol.
Et c'est à peu près tout. Donc à part en augmentant encore plus la production. C'est-à-dire, on s'était prévu de faire du rouge à un moment, donc pourquoi pas. Hop, visiblement on voulait monter un peu en production, donc allons-y gaiement. Bougez, merci. Où est-ce qu'on est là? Et donc ça. Bim. Et là voilà, ça devrait permettre d'encaisser beaucoup plus pour la suite. Je commence à avoir une quantité astronomique de convoyeurs gris par contre, mais bon. Faut que je mette un truc plus grand pour pouvoir raisonner cette production. Voilà, donc ça devrait aussi relancer un peu de production de bioplastique et tout ça cumulé avec un peu de chance, ça va nous permettre d'aller chercher plus de plastique. Là, je peux pas tout à fait tourner toutes les machines, ou à la limite tant qu'on y est, on va finir ça comme ça, zou. Voilà, là, toutes les machines peuvent tourner, il n'y a plus de problème. Ça devrait envoyer un petit peu du bioplastique. Ou est-ce que c'est le cas? Ça n'a pas l'air flagrant flagrant, mais bon, on va dire que c'est le temps que ça arrive. Si voilà, ça commence à remonter un petit peu plus, les quantités. On n'arrive pas non plus à faire des stocks, mais on arrive presque à saturer une ligne. Ça, c'est pas mal du tout. On va réussir à remplir un petit peu le stock ou ça sert à rien de rajouter des machines. Alors là pour l'instant on a l'air d'être vraiment à l'équilibre. On va en rajouter juste là mais plus histoire de dire qu'autre chose. Je pense que en pratique ça ne servait pas à grand chose. D'accord, juste pour ça il faudra déjà une quantité assez astronomique pour s'en sortir. On va oublier du coup. Là, non. Voilà, ce sera un peu différent celui-là. C'est pas bien grave. Du coup, ce qu'on veut utiliser, c'est quelques. Ici, là, vu qu'on a pas mal de machines, on pourrait peut-être en rajouter encore un petit peu. Là, c'est pratique. Parce que là, du coup, bah après, c'est juste que ça ne tourne plus. C'est quoi qui manque maintenant? C'est de l'acide acétique. Acide acétique qui vient de là, j'imagine. Ouais. Acide acétique qui ne tourne pas à. Quoi? C'est de l'acide acétique anhydre. Or là, c'est l'acide acétique qui ne marche pas. Or, l'acide acétique, c'est lui qui est produit. Ouais. A priori, c'est juste. On va faire plus de base de fermentation derrière, mais on peut déjà rajouter un petit peu de ça. Hop. Voilà, comme ça. Moyen de pouvoir encaisser un peu plus. Par contre, on aura besoin de plus de fermentation. Et ça, à part en faisant pousser plus de plantes, je sais pas si on va vraiment pouvoir faire grand-chose. Comment peut-on faire plus de bases de fermentation? C'est ça, ouais. Ok, donc ça c'est avec des fruits, on peut en faire avec de l'huile de poisson. Ou du maïs. Donc là, maïs, de toute façon, on envoie tout ce qu'on peut ici, donc à moins de produire encore plus de maïs, ça va être compliqué. Ici, ça ne fait quoi? Ça fait des haricots, donc on s'en fiche. Donc ouais, soit il faudrait produire, faudrait relancer un peu plus
d'élevage quoi. Plantation plutôt, on va dire. D'autres types. Sinon faudrait augmenter un peu celle-là, mais je sais pas si on pourrait vraiment booster le truc quoi. C'est un peu compliqué. Bon, peut-être partir du principe que pour l'instant c'est tout le plastique qu'on aura. Après je pourrais toujours augmenter encore un peu la production de bioplastique, mais. Parce que donc le plastique qui vient de là, il est consommé en grande partie par les transistors. Ah, voilà, ça retourne encore pas mal. Bon, la production de circuits bleus a pas mal augmenté, c'est toujours pas ça de prix, hein. Et on arrive peut-être enfin, non, toujours pas. J'allais dire, on arrive peut-être enfin à faire du stock, mais non. Ça est trop beau. On va quand même aller voir un peu où on en est niveau robot-port, parce que je vous avoue que j'ai un peu oublié où on en était. Et pourquoi pas, à la limite, peut-être finir un peu tout ça. Maintenant qu'on a passé un bon bout de temps sur booster les prods d'un peu tout, ça serait pas plus mal de pouvoir finir aussi les robots-ports, comme ça je pourrais déjà éviter de faire certains allers-retours. Et rien que ça, ce serait beau. Et j'ai pas repris de sol, je suis un boulet. C'est pas grave. Un peu plus de temps à profiter du panorama. Il est quand même grand cette base, hein, mine de rien. Est-ce qu'on est là? Ok, on arrive. Ah, j'ai pas tout. D'accord. J'ai oublié un morceau. J'ai bien fait de repasser au final. L'un dans l'autre, on s'y retrouve plutôt pas mal. Donc, oui, sol. Pim. Voilà, c'est peut-être un peu too much, mais c'est pas grave. Avec. Voilà, ça nous fera un peu de place aussi. Donc. Pouvoir finir un peu au moins de poser les bâtiments, même s'ils vont pas forcément tourner. Bon, peut-être, je sais plus si on a où est-ce qu'on était avec l'histoire de batterie du coup, c'était la semaine dernière qu'on a fait ça. J'avoue que je sais plus trop comment ça se passe. Alors, donc, on en était à. Sont où les derniers niveaux? Donc, c'est celui-là, c'est le niveau 3 qui est terminé. Ok. Ça, c'est juste en train de faire du stock. Donc là, avec un peu de chance, ça va bientôt se terminer, à moins qu'on finisse les repas. Mais normalement, on n'est plus trop loin. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a de fait? On a déjà les antennes, ça c'est bon. On a les hatches, ça c'est bon. Donc il nous manque plus que le charging pad. Et c'est lui qui est un peu compliqué, parce que donc il faut les batteries silver zinc. Et là, je ne me rappelle plus si on avait tout ce qu'il fallait pour le faire. Et il faudra aussi les circuits avancés. On n'a pas vraiment mis sur le bus, à voir si on veut le faire. Donc pour les batteries, parce que donc c'est vraiment ça qui va être la partie problématique. Normalement l'oxyde d'argent c'est bon. Je crois que c'est de là on les a fait. Hein. D'ailleurs on va regarder ce que juste c'est pas quelque part sur le bus. Hop. Parce que là, ouais voilà, je pense que c'est de là on les a. Maintenant, il ne manque plus que le plastique et l'hydroxyde de sodium. Donc l'hydroxyde de sodium, on doit en avoir quelque part, faut juste le trouver. Et le plastique, il est là, il n'y a plus qu'à l'amener. Donc à la rigueur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer la production. On est d'accord que donc il y a besoin de 4 trucs en entrée, donc 2 voies. Ça va être un peu juste de faire rentrer ça là. Je confirme, ça va être juste. Tant pis, c'est pas grave, on va faire ça après. Et tac. Plein d'artefacts ici. Voilà. Et donc, on veut faire passer nos deux trucs qui vont arriver là. On va mettre nos... Ici, faut trouver les batteries.
Mais normalement après ça, ça devrait se faire. Voilà. Batterie. Zingargent. Et là, bah, on a juste à faire. Ça va chercher plus loin. Et après, plus qu'à ce que ça sorte tant que. Ah bah j'ai pas mis mon poteau. Voilà. Hop, et là on va se laisser un peu de mou, histoire d'être tranquille. Hop. Et voilà. Parce que niveau quantité, il y a des trucs particuliers qui sont pires que d'autres. Ouais, on va mettre l'hydroxyde de sodium en premier. Donc on va mettre déjà les deux oxydes ici, comme ça ce sera fait. Hop, je sais pas du tout où ils sont par contre. Niveau hauteur, c'est ça. Bim, voilà. Ça, je pense pas qu'on serve à grand chose d'autre, donc on va même pas s'embêter. Hop, transplitter, non, pas couper, copier. Et voilà, déjà on a les deux oxydes, ça c'est fait. C'est plié. Ensuite, on a. Le plastique donc qui est là, il est déjà bon. Tac, il y a les franco. Ça tombe bien, j'ai plein de convoyeurs gris de toute façon à dépenser, donc autant y aller de façon un peu énervée. Et donc maintenant la question c'est où est-ce qu'on peut mettre cet hydroxyde de sodium? Parce que sur le but je pense pas qu'on en ait. On a peut-être mis en haut, cela dit. Tadalala. Pas l'air plus que ça. Hein. Je sais pas si on a beaucoup de place encore de dispo pour faire ça. Parce que là, on avait réservé ça pour quelque chose. Oui, ça sert. Ah oui, ça c'est les trucs des déchets. Ok, très bien. Ici, cette ligne-là, est-ce qu'on s'en sert? Là, ouais. Et en bas, aussi, on met les batteries, très bien. Ici, on met les oxydes et de la poudre chelou. Et est-ce qu'on a quelque chose sur le dessus? Vraiment, c'est un inventaire du bus 1 de C4, hein, parce que ça devient compliqué, là. Donc, a priori, non. Là, il n'y a vraiment rien du tout sur toute cette ligne-là. C'est un peu dommage de bloquer tout ça juste pour de l'hydroxyde de sodium qui va être utilisé pour un truc, mais bon, on va pas avoir trop le choix, je pense. En tout cas, je valide que c'est pas utilisé, donc ça c'est plutôt bien. Et maintenant, la question c'est où est-ce qu'on le trouve l'hydroxyde de sodium, parce que je sais qu'il y en a qui se battent quelque part par là, en bas là. Voilà, ici. D'ailleurs, ça va très loin, donc une partie de moi a bien envie de remonter celui-là. Ou alors est-ce que je laisse pas carrément en bas et je fais un gros vut, truc qui remonte tout là-bas. Ça m'éviterait de planter ça et ça me permettrait de garder un peu de place pour les circuits. Ouais, peut-être pas grand chose qui en aura besoin, à part si on veut faire du môle, mais ça en fera tout par robot. Mais on avait déjà besoin pour les antennes. Donc je les ai déjà mis sur le bus, ces trucs-là. Je ne sais plus. Ah non, oui, alors les arcs. On avait décidé de les récupérer par logistique. Ok. Ouais, bon, allez. On va partir sur ce principe-là quand même. Je vais laisser le truc en bas. Faire un peu moche, mais bon, tant pis. J'aimerais bien garder un peu de place sur le bus quand même, autant que faire se peut. Hop, donc ça, ça va aller par là. Ça. On va en avoir besoin de beaucoup. On va pouvoir en faire beaucoup.
Donc ça, on va vouloir faire en sorte que ça parte par là. Le plastique, il peut y aller direct. C'est la fête. Donc ça, il va falloir descendre. Mais là, après, on va vite se retrouver embêté par des autochtones. Du coup, on va peut-être se faire petite session de bombardement. Voilà, histoire d'y voir un peu plus clair. Ok, donc ça on est bon. On va reprendre notre périple. Du coup, faisant gaffe à pas se faire cracher dessus très vite, voilà. Fallait que ça reparte. J'ai plus tout de but par contre. Ça, c'est triste. C'est que j'ai cherché de l'étain. Bon, limite l'étain ça va, il est pas très long. Hop. C'est pas le seul problème que j'ai, il me faut aussi du fer. Le fer, c'est marrant, il était moins, on avait moins besoin. Ouais, ça prend une quantité astronomique, on va pas faire ça. Hop! On va rechercher des souterrains jaunes, un petit peu d'obus, et on devrait avoir tout ce qu'il faut pour aller chercher notre truc hydroxy, je sais pas quoi. Ok. Ça, check. Est-ce qu'on a sol? On a encore ce qu'il faut. Convoyeur, on a ce qu'il faut aussi. Normalement, on est pas mal. Normalement, juste une blinde d'obus. Et ça devrait le faire. Vraiment une blinde comme ça, on sera tranquille, il faudrait que je ramène du plastique aussi. À la limite, on va passer par l'autre côté, comme ça on va faire avancer l'hydroxyde de sodium. Ça sera tout aussi simple. En ce temps-là, les circuits lourds auront peut-être eu le temps de se refaire un petit peu une beauté. Où est-ce que c'est notre hydroxyde de sodium? C'est ça. Allons-y. D'accord que c'est ça là, ouais, parfait. Ça avance, ça avance. Là, je sais qu'on a déjà fait une bonne partie du chemin en passant par là. Ça, c'est plutôt cool. Ouais, parce qu'on a eu besoin jusque là-bas pour faire les trucs chelous là. Ok. Hop, donc on y est. On va commencer un peu le nettoyage ici. Pendant ce temps-là, on va pouvoir avancer ça par là. Tac. Parce que c'est suffisant, merci. Hop. On avance et du coup, il faut qu'on aille jusque là-haut. Donc, on a encore pas mal de route à faire. Des petits restants ici, donc on va refaire une petite session histoire de dire, et normalement on est bon, on a tout ce qu'il nous faut. Ça va les avoir nos batteries avec tout ça. Ok, et donc là on peut aller vraiment passer par là-bas. Est-ce que t'as encore des trucs à tirer toi? Hop, allez, pourquoi pas. On a encore un peu de place. Et du coup, ça va pouvoir monter jusque par là. Ok, c'est bon, fini. Allez, encore un petit coup, mais c'est histoire de dire. Allez, hop, on va dire que c'est suffisant. Ici, on veut remonter tranquillou. Là, ça c'est le métal le plus bas ou pas? Il me semble, hein.
Non, il y en a un en dessous. On va quand même garder de la place pour le marquer. Histoire d'être safe et de faire un peu propre pour une fois. Voilà. Et donc ça va pouvoir commencer comme ceci. C'est moi ou c'est décalé? Oui, c'est complètement décalé. Bon, non, on est bon. Ouais, non, on est bon. Hop, 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 et hop. Voilà. Et normalement, avec tout ça, on va avoir nos premières batteries qui vont pop. Ça va être la fête. Et ça, pareil, est-ce qu'on en a vraiment beaucoup besoin? Oui, on va en avoir besoin pour les satellites. Donc, on a bien fait quand même de. Bon, enfin, d'une manière, on pourra faire ça par. Par logistique dans un premier temps. Voilà, ça a l'air de tourner bien gentiment. Ça, c'est cool. Et voilà, on a nos premières batteries de nouvelle génération. Et maintenant, on a presque tout ce qu'il faut pour pouvoir terminer le charging pad et donc, par extension, le dernier niveau de Roboport. Et après, on sera enfin tranquille avec les Roboports. On va pouvoir commencer à en poser partout. Ça va être cool. Et puis quand même qu'il n'y en ait pas un autre à part derrière, hein, mais bon. Là, ça commencera à m'agacer. Pas vous le cacher. Où qui sont les Roboports? Ah, ok. Ouais, non, là il y a un truc, donc normalement. Les Roboports, après, ça a l'air d'être pas mal. On va vérifier vite fait dans la recherche, mais j'ai vraiment pas l'impression qu'il touche, qu'il y ait de la place pour mettre d'autres Roboports. On a de la fusion, on a des obus à uranium, on s'en fout. On a des Roboports portatifs, mais bon, ça, on va pas trop s'embêter avec. Puis on ira juste voler les ingrédients. Après, on a juste les améliorations de vitesse. Donc, ouais, non, là, normalement, on est bon. On est enfin arrivé à un truc. C'est ça. Ouais, personnel Roboport, très bien. Toujours plus de trucs, mais. On s'en fiche, c'est pas notre problème pour l'instant. Donc bah voilà, on va pouvoir s'arrêter là, et dans le prochain épisode, on pourra donc terminer enfin, une bonne fois pour toutes, les Roboports, et être tranquille avec ça. Mais bon, pour l'instant on va s'arrêter là. Du coup, bah, moi comme d'hab, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à la prochaine. Salut YouTube!